Alors ici, près de la cascade de Soulou, il y a eu un accident ici. Un accident qui a même arraché la borne. La borne qui était là. Il y avait une borne qui était là. Le véhicule est passé ici. D'accord. Là, ici, vous voyez les traces. Le véhicule est passé là. Il y a des traces au sol, là, ici. Il est passé là. Et puis, tout gentiment, a fini dans le fossé. Je dis bien gentiment parce que le mec est... Il a eu de la chance, d'accord. On va aller tout près pour aller voir. Donc ça, c'était ce week-end, je pense. Il y a encore les roues là-dessus. Il y a les jantes aussi. Probablement le moteur aussi. Donc c'était ce week-end. Donc on va aller voir de plus près. On va aller voir de plus près. Donc ça, c'est des épaves qui s'accumulent, hein. C'est des épaves qui s'accumulent. C'est toujours comme ça. Une épave de plus. Je ne sais pas si le propriétaire il va revenir récupérer son véhicule. Donc voilà, c'est... Ok. Moi, je touche pas. Ah, il y a quelqu'un qui a essayé de remorquer le véhicule. Probablement peut-être des voleurs, je sais pas. Ou le propriétaire qui a essayé de le remonter, sans succès. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si c'était un véhicule qui était remorqué et qui ont perdu le contrôle. Et que c'est descendu dans le fossé là-bas. Et ils ont essayé de le remonter parce que j'ai vu de la corde dessus, sur les véhicules. Donc voilà, en tout cas, bon courage au frère. Je ne sais pas s'il est blessé, je ne sais pas. Je vois une impact sur la vitre. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne peux pas qualifier si c'est un accident ou une sortie de route.